Elle est ravissante, tout comme moi, mais pas du même sexe. C'est Geneviève Byrne. Ça va bien, Geneviève? Ça va bien, parce que les VJ Ah oui, absolument. Le line-up de VJ. Ben oui. Cet été, t'attends quoi? Moi, j'attends avec impatience le nouvel album de Hole. J'ai beaucoup aimé l'album précédent, Live Through This. C'était super bon. Ouais. J'aime beaucoup le rock. Donc, moi, ça va être bon. T'as-tu peur? Ou... Je me demande. Je suis très curieuse. Hein? Je sais que Billy Corgan a collaboré à une couple de chansons. J'aime beaucoup sa façon de chanter à Courtney Love. Je pense qu'il a un sens de mélodie. Donc, j'imagine qu'il va y avoir quelques bonnes chansons là-dessus. Il y en a qui ne savent pas encore, c'est une maniaque de Madonna. Complètement. Puis elle me fait tellement plaisir avec cet album-là parce qu'au cours des dernières années, bon, elle avait eu des succès avec des ballades, elle avait lancé une compilation de ballades, elle avait fait Evita. Alors moi, j'étais tannée. J'avais hâte de retrouver la Madonna que j'aime. Puis elle m'a étonnée encore plus parce qu'elle n'a pas juste donné un coup de volant à droite, elle a fait un U-turn. Elle prend des risques. Et puis, j'aime pas toujours la musique dance ou le techno, tout ça, mais je trouve que ça, c'est fait avec beaucoup de goût. Elle n'a plus rien à prouver, comprends-tu. Alors, il nous reste une petite minute pour parler de deux albums à peine. Oui. Jeff Buckley en 30 secondes. Alors, Jeff Buckley en 30 secondes, c'est bien sûr le très beau et talentueux chanteur Jeff Buckley qui est décédé l'an dernier. Mm. C'est un album de chansons incomplètes. La production de cet album-là n'était pas terminée. Et c'est sa mère et ainsi que Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, qui ont supervisé la production finale pour que ça sorte. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça aurait eu l'air si lui les avait terminées lui-même, mais il y a vraiment de très bonnes chansons là-dessus. Et ça, c'est de tous les temps? Mon album de tous les temps. Abbey Road. Abbey Road des Beatles. Je ne me fais jamais d'écouter cet album-là. J'adore toutes les chansons de l'album. Je l'écoute régulièrement. J'adore Paul McCartney. La basse là-dessus est excellente. Et puis... Est-ce que tu t'es rendu sur Abbey Road? Oui, j'ai traversé Abbey Road comme moi ça. Moi aussi. Là, on est touristes. Non, mais c'est le petit, je veux dire. Quand t'es un fan des Beatles... J'ai fait un graffiti sur le studio Abbey Road. Oh, ouais, j'ai pas aussi. C'est bien, Geneviève. Merci, puis bon été. Merci beaucoup. Bye-bye.